Maurice, merci pour la générosité dont vous faites preuve envers votre communauté et notre pays. Depuis longtemps, vous jouez un rôle exceptionnel pour faire une différence dans la vie des gens. Et chaque jour, grâce à la Fondation Maurice Tanguay, vous touchez la vie d'enfants à travers l'Est du Québec. Maintenant, grâce à votre appui à l'Hôtel Dieu de Lévis, vous contribuez encore davantage à appuyer la santé et le bien-être des familles dans la région. Maurice, vous représentez le meilleur du service et de générosité. Merci pour tout ce que vous faites en vue de façonner le Québec et le Canada pour le mieux. Monsieur Tanguay, c'est un honneur pour moi de vous rendre hommage aujourd'hui. Vous figurez dans la liste des Québécois admirables qui ont marqué le Québec, et ce, depuis plusieurs générations. Vous êtes un grand entrepreneur, un homme impliqué dans sa communauté, dans le milieu sportif et dans plusieurs causes et organisations philanthropiques. Votre engagement, notamment auprès de la Fondation Maurice Tanguay, du Rouge et Or de l'Université Laval et de l'Océanique de Rimouski, démontre que vous êtes incontestablement un brillant homme d'affaires, mais surtout un philanthrope dont le succès n'a d'égal que sa générosité. Au nom des Québécoises et des Québécois, je vous remercie chaleureusement pour votre dévouement exceptionnel. Monsieur Tanguay, c'est un très grand honneur pour moi de vous adresser quelques mots. Quelle belle occasion pour le Mouvement Desjardins de vous accueillir ici, chez nous, à Lévis, pour saluer votre carrière d'homme d'affaires et votre généreux engagement socio-communautaire. Nous partageons votre fierté. Partout où on reconnaît que les Tanguay sont des leaders, des rassembleurs dont vous êtes le modèle. Partout, on reconnaît votre contribution inestimable pour le soutien et le mieux-être des personnes vivant avec un handicap. Monsieur Tanguay, un sincère merci. Merci pour vos nombreuses réalisations. Vous êtes assurément un grand homme d'exception. Alors, bonsoir, Monsieur Tanguay. Je suis très heureux d'entrer en contact avec vous ce soir. Je sais que vous êtes un homme d'affaires exceptionnel, reconnu par la communauté lévisienne, reconnu également dans tout le Québec. Mais par-dessus tout, pour moi, vous symbolisez vraiment de grandes valeurs humaines. Et ces valeurs humaines-là, je les résumerai à une phrase. Votre objectif, c'est de faire en sorte que toutes les personnes d'une communauté, quelles que soient leurs conditions, soient reconnues comme des citoyennes et des citoyens à part entière. C'est là votre grande force, M. Tanguay. Quelle belle reconnaissance méritée ce soir. Bonsoir tout le monde. Mon cher Monsieur Tanguay, je suis très heureux de vous rendre hommage aujourd'hui. Hommage pour cette très belle carrière, soit au niveau du monde des affaires, au niveau communautaire et également du côté philanthropie. Je pense que vous pouvez être très, très fiers de ce que vous avez accompli. Alors, un gros bravo de la part de tout le monde à la Banque nationale. Puis aussi, un beau bonjour de toute la gang de la rue Marguerite-Durville à Lévis, que ce soit moi-même, ma belle-mère Nicole Carrier, puis aussi ma sœur Marie-France Vachon. Alors, bonne soirée à tous et bonne continuation. Salut Maurice, salut les Tanguay. Moi, je veux juste te dire une chose, Maurice, peut-être que je ne te l'ai jamais dit. Mes premières années comme maire, bon, tu sais, je dis ce que je pense, j'ai pas de filtre, puis ça me crée du souci. Puis quand ça allait mal, puis je te rencontrais, tu me disais toujours, Régis, mets ça derrière de toi, il s'est passé, dans mon thème, puis tu peux pas savoir, quand tu me réconfortais, comment ça me faisait du bien. Alors, je te l'ai jamais dit, puis c'est pour ça que je t'aime pas trop. Salut Maurice. Maurice Tanguay est un de ces grands Québécois, ou je dirais même rare Québécois, qui connaît le nirvana de la philanthropie. Sa vie a été un constant don de son temps, de ses talents et de partage de ses trésors avec nos défavorisés de tout genre. De plus, il a su passer cette générosité à ses enfants. Maurice, au nom de tous ceux et celles qui ont été touchés par ta générosité, je te remercie. Merci, M. Tanguay, pour votre soutien à l'Unité Mère Enfant qui permet d'offrir des soins de qualité aux familles de la région et de l'équipement spécialisé pour tout le personnel qui y travaille. M. Tanguay, votre générosité est reconnue par tous et par toutes. Mais ce qui fait de vous un être exceptionnel, c'est souvent, vous l'avez tellement exprimé cette générosité-là dans la discrétion, dans l'anonymat, auprès de plusieurs personnes qui étaient dans le besoin. Et je suis chanceux d'avoir été témoin de cette générosité-là et que la vie m'ait placé quelqu'un comme vous sur mon chemin. Bonne soirée. Bonjour, M. Tanguay.
quel bel honneur que vous faites l'Hôtel-Dieu de Lévis en nommant l'unité mère-enfant, l'unité Maurice Tanguay. Comme vous le savez, sans doute, cet honneur-là vous revient amplement puisque votre implication sociale et sportive depuis plusieurs décennies dans la région de Québec fait de vous une personnalité importante qui accorde beaucoup d'importance à toutes les causes que vous avez supportées. Félicitations, M. Tanguay. C'est un honneur fort bien mérité. Un gros merci, M. Tanguay, pour votre implication auprès des enfants. C'est très apprécié auprès des enfants et auprès des parents. Bonjour, M. Tanguay. Je tiens à vous remercier au nom du département de pédiatrie de tout l'investissement que vous avez fait chez nous à travers les années. Vous avez aidé à ce qu'on offre les meilleurs soins à nos nouveau-nés, à nos enfants et à nos adolescents qu'on voit à l'Hôtel-Dieu de Lévis. On en est grandement reconnaissant. Puis tous les enfants qu'on côtoie aussi vous remercient. Alors, merci de votre investissement. Bonjour, M. Tanguay. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi avec le Sanec de Rimouski dans ma carrière de joueur de hockey. Votre détermination, votre passion nous a poussé à devenir de meilleurs joueurs de hockey. Mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est votre implication que vous avez eue dans la communauté avec votre fondation. Vous avez été un exemple à suivre pour tous les joueurs qui ont porté le chandail de Sanec de Rimouski. Puis vous nous avez aidé à devenir des meilleures personnes. Alors merci beaucoup et félicitations. Bonjour, on tenait à vous dire merci pour les soins qui sont offerts à nos enfants et puis pour l'équipement qui est mis à leur disposition. Merci beaucoup, M. Tanguay! Merci beaucoup, M. Tanguay! Merci beaucoup! Merci. Merci. Bonsoir tout le monde, ici Dominique Gauthier, ambassadeur de la campagne majeure de financement de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Monsieur Tanguay, toute la famille Tanguay, merci du fond du cœur. Merci pour tout ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous ferez sûrement encore. Et surtout pour cette dose d'inspiration que vous nous donnez aux Lévisiens qui se transforme en une fierté extraordinaire. Et c'est pour ça que Lévis est tellement dynamique maintenant, c'est grâce à des gens comme vous qui en avez inspiré d'autres, à se donner les moyens et à faire les efforts et à risquer et à oser d'être les meilleurs dans ce qu'on fait. Je peux vous dire que mon père aurait été très fier d'entrer au travail à chaque jour pendant les 30 années qu'il a travaillé à l'Hôtel-Dieu de Lévis et de voir le nom de la famille Tanguay associé au Centre Mère-Enfant. Donc bravo à vous, c'est bien mérité, mais surtout, encore une fois, merci.